It's nearly a full year since Catherine and I stepped into an apostolic function. Ça fait presque un an depuis que mon épouse et moi nous sommes entrés dans un mandat plutôt apostolique. Most of the challenges that we expected were not a big surprise. Et la plupart des défis que nous avons rencontrés n'étaient pas une surprise. Okay. Une surprise. But there was one thing that surprised me more than anything Mais else. une chose m'a surpris plus que toute autre chose. And over the last 12 months, this has become a real burden on my heart. Et depuis environ 2 mois, ceci est devenu un immense fardeau dans mon cœur. The thing that surprised me is the number of pastors that and church leaders that are just not healthy. Il s'agit du nombre de pasteurs et de dirigeants d'église qui ne sont pas du tout en bonne santé. So many of them are not healthy spiritually, Tant qu'ils ne sont pas en bonne santé spirituellement, emotionally, émotionnellement, physically. physiquement. They're not healthy relationally. Ils ne sont pas en bonne santé même au niveau de leurs relations. They've not dealt with weaknesses in their character. Ils n'ont pas traité des défauts de caractère en amont Weaknesses from their past. ou des faiblesses qui traînent depuis leur passé. One pastor of the largest church in North America. Un pasteur d'une des plus grandes églises en Amérique du Nord Every Sunday, 100,000 people would come to their service. qui prêchait devant 100 000 personnes tous les dimanches. Miracles, revival Qui spirits, a vu des miracles, un esprit de réveil. influence into government, business. Ils avaient l'influence au niveau du gouvernement, dans les The entreprises. pastor of this largest congregation in North America just resigned Et il vient de donner sa démission because of a sin committed 35 years ago en raison d'un péché commis il y a 35 ans de cela, that was not dealt with qui n'a correctly. pas été correctement traité à l'époque. Vous voyez? This is not just an isolated case. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. We're dealing right now within the sphere of the churches that we have responsibilities for. Actuellement, dans la sphère des églises pour lesquelles nous avons une certaine responsabilité, A number of pastors who are suffering burnout. il y a un certain nombre de pasteurs qui souffrent d'un burn-out. One case, adultery. Dans un cas, l'adultère. Another case, alcoholism. Dans un autre cas, l'alcoolisme. Again, these are not isolated cases. Encore une fois, ce ne sont pas des cas isolés. We've ministered to large churches C'est vrai que nous avons servi des grandes églises. that, you know, any of us would go to their Sunday service. Des églises qui You know? attireraient chacun de nous à And leur we go, culte le oh, dimanche. Oh, man, I wish wow! our church could be Oh, like si that. seulement notre église était comme celle-ci! Okay, then I sit down with the leaders. Mais je m'assois avec les dirigeants après Their marriages are in trouble. et leur mariage souffre, leur couple souffre. There's division in the leadership team. Il y a des divisions parmi l'équipe des responsables. All kinds of issues. Toutes sortes de problèmes. And this is not just in the West. Et ce n'est pas seulement dans l'Occident. It's true among Latino churches that C'est I've met aussi with. présent dans les églises de l'Amérique It's latine, true in African churches I've met dans des églises africaines que j'ai with. True with Asian rencontrées, dans des churches. églises en Asie que j'ai rencontrées, First n'est-ce pas? world countries. Qu'il s'agit des pays du premier monde, Second and third et world. deuxième monde, et troisième monde, tous. Sont Church concernés. leaders are not in good Non, condition. les dirigeants d'église ne sont pas en bon état. Now, it's not 100%. Bon, ce n'est pas à 100% des temps. There are exceptions Il y a to des that. exceptions, merci Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. But this is the thing that has surprised me more than anything Mais c'est ça qui m'a surpris plus que toute autre chose. else. And so, as Catherine and I take time to, and one of the things we'll be praying about for ourselves during the Daniel fast Une chose que nous allons cibler pendant le jeûne de Daniel, is how to respond to this crisis. c'est précisément comment réagir face à ces crises. Now, at the same time, Et en même temps,
God is moving. Dieu agit. Hallelujah. The Holy Spirit is active. Le Saint-Esprit agit, frères et sœurs. Amen. Amen. God is not in crisis. Dieu lui-même, il n'est pas en crise. The Holy Spirit doesn't have issues from his past. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de traiter des problèmes de son passé. Amen. Ouf. So God is moving. Dieu agit, c'est merveilleux. I've never seen so much prayer in the body of Christ as I see today. Je n'ai jamais vu tant de prières dans le corps de Christ que je vois aujourd'hui. Mes And I've been a Christian for more than 50 years. Et ça fait 50 ans que je suis chrétien. Can you believe that? Est-ce que vous le croyez? I came to Christ in a revival in 1974. J'ai donné ma vie à Christ dans un réveil en 1974. If you've ever heard the name of a great woman evangelist, Catherine Kuhlman. Peut-être vous connaissez l'évangéliste Catherine Kuhlman des années 70. Okay. I came to Christ 70. The year that she passed away. J'ai donné ma vie à Jésus l'année de sa mort. Pour vous dire. So I never actually saw her live preaching. Je n'ai jamais assisté à une de ses réunions. But live. On the radio, you could still hear her on the Mais radio. On faisait souvent ses prédications à la radio. I just thought she was some crazy person. Je pensais que c'était une dame folle. It wasn't until many years later that I understood what an important c'était person C'était seulement she des was. Années plus tard que j'ai compris l'importance de cette personne. I've experienced revivals many times in my life. J'ai vécu des réveils plusieurs fois dans ma vie. When I was in my studies at university. Quand je faisais mes études universitaires. The Spirit of God moved, blew through our university. L'Esprit de Dieu est tombé sur notre campus universitaire. And over about a two-year period. Et dans l'espace de deux ans. More than a quarter of the student population came to Christ. Plus d'un quart de la population des étudiants ont donné leur vie à Jésus. People are having angelic visitations in the night. Des étudiants étaient visités par les anges pendant la nuit. Hardcore sinners. Et des vrais pécheurs. We're meeting Jesus in some of the most miraculous ways. Rencontrer Jésus des manières miraculeuses. Things culminated when we rented the football stadium. Et le sommet de ces deux ans était le moment où nous avons loué le stade de foot. And it was full of students worshiping Rempli Jesus. Des étudiants. We were praying for the sick. On priait pour les miracles. Malades, on voyait des some miracles, of the most c'était extraordinaire. Miracles of healing I've ever seen in des my ministry happened in that time. Des prodiges étonnants que je n'ai jamais vus. I personally led a prayer meeting every morning. Chaque matin, je conduisais une réunion de prière. At 6 o'clock. Sur le campus, à 6 heures du matin. And at the pinnacle of the revival, there were hundreds of students every morning gathering for prayer. Et au point culminant de ce réveil, il y avait des centaines d'étudiants universitaires rassemblés pour la prière. One of my best friends launched a newspaper about all that recounted the miracles happening in the revival. Un de mes meilleurs amis a commencé un journal qui racontait tous les miracles que Dieu faisait. That newspaper is printed every week. Et c'était un journal hebdomadaire. And I forget how many pages it was, but je sais plus combien de pages. You know, every week there's just page after page of testimonies. Mais chaque semaine, des pages et des pages de témoignages de ce que Dieu faisait you know, sur le campus. Some of the most notorious sinners on the campus. Et les pécheurs les plus connus sur le and, campus. And how they were coming to Christ. Racontaient comment ils ont donné leur vie à Jésus. It was just absolutely C'était an amazing formidable. Thing. An amazing thing. Vraiment extraordinaire. And many of the people who got saved in that time, beaucoup that de personnes revival, sauvées dans ce réveil are still in ministry today. Sont toujours dans le ministère à plein temps aujourd'hui. Alléluia. Amazing things. C'est formidable. There's a hunger and a thirst for more of God. Il y a une soif pour plus de Dieu. One of the most difficult things as a Christian is to maintain your hunger. Mais une des choses les plus difficiles en tant que chrétien est de maintenir cette soif, cette faim. Is there an Dieu. Amen in the oui house ou non? This morning? Hein? Vous êtes d'accord? You've been a Christian for any length of time. Si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, you know that the hardest thing to do is to maintain your hunger. Vous savez de quoi je parle? Combien c'est difficile de maintenir un niveau de foi? Oui ou non? Yes. Hein? I guarantee you, if somebody came in here in a wheelchair,
Si quelqu'un entrait dans cette salle en fauteuil roulant, and told us that they were born paralyzed, et nous annonçait qu'ils étaient nés paralysés, and that they've never walked in 30 years, et qu'ils n'ont jamais marché dans 30 ans de vie, and that wheelchair, they came right here to the front, et ce fauteuil roulant arrive and devant, we all gathered around and prayed for si that on person, entourait cette personne, priait pour sa guérison, suddenly we all feel the power of God et la puissance come upon de Dieu est tombée. He jumps up, starts il running saute, around the room. Il court partout dans la salle. I guarantee you, you're going to be hungry for Je vous assure que ça vous donne soif pour plus de Dieu. Is there an amen in the house? Yeah. What if that same wheelchair comes in? Si ce même fauteuil arrive. We pray and nothing happens. Nous prions et rien ne se passe. Alors là. Will your hunger be energized? Est-ce que ça va nourrir, alimenter votre soif, oui ou non? Non, pas vraiment. It's amazing how fragile our hunger for God Mais is. Ça veut dire que notre soif pour Dieu est tellement fragile après tout. Because most of the time, parce que la plupart du temps, our hunger doesn't come from within us. Notre soif ne vient pas de l'intérieur, it comes from outside de nous, of ça us. Vient de l'extérieur. True? Or not true. Vrai ou faux? If I've learned one thing as a Christian, si j'ai appris une chose en tant que chrétien, having lived through at least four or five genuine revivals, ayant vécu moi-même quatre ou cinq réveils authentiques, revivals come and revivals go. Les réveils arrivent et les réveils s'en vont. The church remains. Mais l'Église demeure. Amen. Miracles come, miracles go. Les miracles arrivent, les miracles partent. But the Holy Spirit continues his work. Mais le Saint-Esprit continue son œuvre. So if your hunger Alors, si votre soif is built on what happens outside of you, est construite sur ce qui se passe à l'extérieur de votre vie, then you will be like the waves of the sea. Vous serez comme ces vagues de la mer. And you will just be in the glory when things are exciting around you. Quand tout va bien, vous demeurez dans la gloire. And when things get difficult, mais quand les choses deviennent difficiles, you lose your passion for God, vous perdez votre passion pour Dieu. And you fall away. Et vous vous éloignez de lui. N'est-ce pas? You see, a disciple, mais un disciple, a disciple learns how to build the fire inside of him. Apprend comment construire et maintenir le feu à l'intérieur. So see, it doesn't matter if I'm invited to a church. Peu importe si on m'invite à une église, par exemple. You know, they sing two or three songs out of a book. Et cette église, peut-être ils vont chanter deux, trois chants you know, d'un petit recueil. It's just like, je m'ennuie un peu chez eux. It's hard to stay awake. J'ai du mal à me rester réveillé. It does not change non, mais what I bring. Ça ne va pas changer ce que je peux apporter. Vous voyez? See, I don't need you to be excited. Je n'ai pas besoin que vous soyez tout feu, tout flamme, excité. For me to be anointed. Pour moi, d'avoir une onction venant de Dieu. I don't need vous comprenez? That. Je n'ai pas besoin d'une réaction. I don't have to get you into a place in the spirit. Je ne suis pas obligé de vous faire venir à ce lieu dans l'esprit so that I feel the glory. Afin que moi, je puisse enfin ressentir la gloire. Because I carry it within me. Non, la gloire est quelque chose porté à l'intérieur. I have my own source of hunger within À l'intérieur se trouve cette source de soif. You see, I maintain a state of revival in my soul. Je maintiens un état de réveil dans mon âme. So if somebody gets healed, si quelqu'un a guéri, I'm excited. Alléluia. Merci Somebody Seigneur. Doesn't get healed. Mais si une personne n'est pas guérie. Can I just tell you, I'm still just as excited. Je reste aussi passionné que si elle était guérie. Come on. Because my source is not the circumstance. Ma source, frères et sœurs, n'est pas la circonstance. My source is my relationship with God. Ma source est ma relation avec Dieu. He is my passion. C'est lui. Ma passion. Not the miracle. C'est pas le miracle en soi. Woo! Comprenez? Come on. Is anybody listening Vous this m'écoutez morning? Ce matin? He is my passion. C'est lui ma passion. And he is here. Il est là. Amen. Amen. Now, can he be more present outside of me? Maintenant, est-ce qu'il peut être encore plus présent à l'extérieur de moi. Sure. Bien sûr.
Absolutely. Absolument. So I intercede. Donc, qu'est-ce que je fais? J'intercède. I pray. Je prie. Amen. Amen. I fast. Je jeûne. In order for God to be manifested more outside of. Afin que Dieu se manifeste encore plus à l'extérieur. Amen. Okay. Yeah, I want to see His oui. hand more manifested. Je around. Veux voir sa main puissante agir encore plus. Amen. But the communion that I have. Mais ça ne change pas là. Communion que je peux avoir. That is something that I cultivate personally with God. C'est quelque chose que je vais cultiver personnellement avec Dieu. Let me tell you this. Laissez-moi vous dire quelque chose. Anytime you go to a meeting, chaque fois que vous assistez à une réunion, and it is more exciting. Et la réunion est plus passionnante. Than what you live personally with ou plus God. Plus excitante que ce que vous vivez personnellement can I just avec say, Dieu. You're backslidden. Est-ce que je peux vous dire que vous êtes rétrogradé? Ouch. Aïe. Ça fait mal. Là. Oh là là. Let me say it one more time. Je vais le redire pourtant. Just in case you missed it. Au cas où right? vous l'avez raté. If you go to a meeting, si vous assistez à une réunion, and it is more exciting, et la réunion est plus passionnante pour vous, than what you are living que personally ce que vous vivez with God, à l'intérieur de vous, personnellement, avec votre Dieu, cœur à cœur, you're backslid. Vous êtes rétrogradé. You're depriving yourself of what God has intended for you. Finalement, vous vous privez de ce que Dieu vous a réservé. Give us this day. Our daily bread. Donne-nous, Seigneur, le pain, notre pain d'aujourd'hui. Hallelujah. Merci, Seigneur. Amen. So what does your bread look like? À quoi ressemble ce pain, votre pain? Hallelujah. Is it really that good, hearty? Est-ce que c'est un bon French pain tout frais that just came avec out of une the belle oven, croûte et la mie tout, you know, tout, tout and it's just, comme on it's, dit. It's pure. Pure. It's artisanal. Bah. You know, and you put some of that butter on it in the morning. Vous tartinez votre and pain tout just, frais du beurre it's demi-sel. It's so warm and you smell the coffee and it just. Et l'odeur du café avec, là, vous partez. You know, wow. Ça alors, mais pas pendant le jeûne de Daniel. Hey, you can still have bread, just no butter. Voilà, le okay. pain sans beurre. You know, is the word of God like mais that for you? Est-ce que la parole de Dieu est comme ce pain si bon pour vous? Man, I get it, you know, every day, I get so excited when I'm in the Word of God. Écoutez, chaque matin, je suis tellement excitée quand je suis dans la parole like, de Dieu, je I'm vois like pas le temps passer. In my office. Je crie à voix haute like, dans mon bureau. Oh my God! Alors, Seigneur, c'est extraordinaire! J'ai jamais vu ça de ma vie! And I come to church. J'arrive à l'église. It's kind of like, it's okay. Bon, ça va le message. But I'm like, yeah, give non, mais, get on with it because I'm excited about tomorrow morning and what I'm going to eat in the presence of God. J'ai toujours hâte d'être le matin et anticiper ce que je vais manger dans la présence de mon Dieu. Amen. So I love exciting meetings. Mais bien sûr, j'aime you know, des I réunions passionnantes. I really, I love it. J'aime trop. Man, I love it when we're screaming. Quand on crie shouting, à voix haute, on you know, the lève la voix. They're throwing up on the floor. Et les possédés you know, vomissent par terre. Man, that's a good meeting. C'est I love those. Génial. I do. I really do. You know. J'aime ce genre de I réunion. Love it when we pray for people. J'aime bien prier pour les gens. The power of God, la bam, puissance de Dieu knocks les frappe. Them out, and they fly back into the third row. Ils tombent. En arrière. I love that. I non, do. Mais j'aime tout ça. C'est, I hunger c'est for génial. That. I want that. Je Amen. Veux ça aussi. And there's sometimes when the meeting's not too excited. Et quand la réunion est un peu plus calme. I'll just fall over. Je vais tomber okay? moi-même. I won't wait for anybody to pray for me. Je I'll just get up, fall on the floor, say, Je well, vais me mettre par terre pour rencontrer mon Dieu. They were going too slow in this meeting. Oh, I ça want, va trop lentement you know, dans cette réunion. Woo, moi, je vais déclencher la chose. Allez. But another thing that I've learned, une autre chose que j'ai appris,
Because I've seen so many Christians that get so excited in a meeting. Parce que j'ai vu tant de chrétiens tellement excités dans une réunion. But they lack the discipline to walk in the righteousness of God. Mais ces mêmes personnes n'ont pas la discipline pour marcher dans la justice de Dieu. Vous voyez? So what does it serve? À quoi ça sert finalement? You know, yeah. Let's get into our message. Donc, so, le message. Be hungry, beloved. Ayez soif. Be hungry. Ayez faim. Cultivate hunger. Cultivez cette soif pour Dieu. Because France needs a revival. La France a besoin d'un réveil. Oui ou non? Amen. Amen. Oui. Anybody see that opening ceremony? Comme nous avons bien constaté pendant les JO. And then our dear president. Et puis après notre cher président. Thinks that that's the greatest expression of French culture that we could offer the world. Il dit que c'est la meilleure expression de la culture française que nous pourrons montrer à ce monde. And you think France does not need a revival? Are you kidding me? France is desperate for a revival. La France est désespérée Amen. Pour un vrai réveil. France rêver, is mes desperate amis. For a revival. La France a besoin d'un réveil. All right, but Amen. Listen, you need to read French history. Mais lisez bien l'histoire de la France, mes amis. There have been far worse things happened in Paris. Il y avait encore des choses beaucoup, beaucoup okay. pire, Please pire don't look at the opening ceremonies of the Olympics. Ne regardez la cérémonie d'ouverture and suddenly, des JO. Oh, it's the end of the world. Et pensez que c'est la fin du monde. You know, look what they did. Regardez ce qu'ils you ont know, fait. Blasphemy of la the blasphème. Of Leonardo da Vinci's replica of the Last Supper. Avec ce tableau de la scène de Da Vinci. Okay, yeah, it was grotesque. Oui, c'était grotesque. Yes, it was blasphemy. Et c'était blasphémateur. To me, the worst thing was having that little girl dancing on a table. Et pour with moi, a la pire des choses était la jeune fille qui dansait parmi les. That was sexual drag. Abuse of a c'était minor. C'était une forme d'abus sexuel d'une mineure. And every person should have been arrested that gave their approval. Et tout le monde qui a donné son approbation à cela devait être arrêté et mis en prison. Including every single politician who thought y that that was something good. Les politiciens qui pensaient que c'était quelque okay. chose de beau. Seriously. C'est faux. Sérieusement. Seriously. 20 years ago, il y a 20 ans de all cela, of those adults would have been arrested for pedophilia. Ces adultes-là seraient arrêtés pour la pédophilie, tout simplement. True? Vrai ou faux? What's changed? Mais qu'est-ce qui a changé, du coup? We've just accepted sin. La société accepte le péché That's beaucoup all. Plus. Okay. C'est tout. But the church has to push back. Mais l'Église doit se lever et so repousser les ténèbres de ce far pays. Worse things have happened in French history. Tout en sachant qu'il y avait des choses encore far pires worse. Dans l'histoire de la France. What I do find kind of interesting, ce que je trouve intéressant, and then we'll get into the word. Puis on va plonger dans la parole. What I do find interesting is that it happened in the heart of Paris and not here at the stadium. C'est intéressant que ça s'est produit au cœur de Paris et non au Stade de France. I believe the main reason is because the Seine River has drunk so freely of the blood of martyrs. Je crois que c'est parce que la Seine a été inondée du sang des martyrs chrétiens dans l'histoire. I mean, you can go back to the year, I think it was 250. Je pense dans l'année 250. The three first evangelists to preach the gospel on the two islands. Les trois Paris. Premiers évangélistes qui ont prêché l'évangile sur les deux îles, dans la Seine, un de ces évangélistes s'appelait Denis. Okay, and his two friends were killed and their bodies thrown into the Seine. Lui et ses deux amis étaient tués pour leur foi et leur corps okay. était jeté dans and, la Seine. According to church tradition, et selon la tradition, Denis église, was decapitated. On avait décapité Denis. And his body stood up, picked up its head, and he walked all the way to here. Et la légende dit qu'il a pris sa tête, il a marché avec sa tête jusqu'à là où se trouve la basilique. And his head continued to preach the gospel. Et sa tête continuait à prêcher l'évangile. Hey, this is the third century. Could God do that? Absolutely. C'était le troisième you know? Siècle. Est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose comme Did ça? Did God Pourquoi do that? Pas? Only on God ne, knows. On ne sait pas okay. si c'était right. un vrai fait ou pas. But There's a spirit of revival right in this place. Mais ça veut dire, mes amis, qu'il y a un esprit de réveil déjà dans ce lieu. Okay.
Un puits a débouché. Some of you have heard of Saint Patrick from Ireland. Vous connaissez aussi le Saint Patrick. He was a true apostle of the Lord. Un vrai apôtre du Seigneur. And one of his disciples came and established an evangelism center right here. Un de ses disciples est venu établir un centre d'évangélisation juste ici. And from this center, they sent missionaries all throughout France. Et à partir de ce centre, ils ont envoyé des missionnaires partout en France. Up into what is now Belgium, même the Netherlands, even as far as Belgique et Pays-Bas et une partie du Danemark. So there's a well of revival here. Ce qui veut dire, mes amis, qu'il y a un puits de réveil okay. là où nous nous trouvons. And so I find it interesting that something as demonic as that opening ceremony. C'est intéressant donc de voir quelque chose de si démoniaque it wasn't comme la done cérémonie here, d'ouverture. Ce n'était pas fait where ici there is a well of revival. Où se trouve ce puits de réveil. Okay, it was mais done au in Paris, cœur de Paris, on the Seine River, sur cette rivière that has drunk of the blood of martyrs. Qui avait bu de ce sang des martyrs. So, anyway, just interesting. C'est intéressant de voir. It was an offering to the demonic principalities c'est over Paris. C'est une sorte d'offrande pour les principautés autour de Paris. But guys, really, et les amis, franchement, think about it. Pensez-y. Who's bigger? Qui est plus grand? Amen. Who's bigger? Qui est plus grand? Okay, listen. When the church was birthed in the book of Acts, quand l'église était née dans le livre des Actes, it started very small. Elle a commencé tout petite. And gradually, little by little, it began to make its mark in the world. Et progressivement, l'église a commencé à avoir un impact sur le monde. But it took 400 years. Mais il a fallu 400 ans. It took 400 years ans, for Rome même. To really come under the Christian faith. Pour que la ville de Rome se soumette à la foi chrétienne. L'Empire romain. It took a while. Il a fallu okay. du temps. So let's not lose heart. Ne perdons pas courage, mes amis. The devil might have won a small battle. On peut dire que le diable a gagné un petit, okay. une but petite it was bataille. A publicity battle. Mais c'était quoi? À la base, une it bataille was not publicitaire. A battle for the hearts of men. Pas pour les cœurs de l'homme. It wasn't a battle for the hearts of the athletes. Ce n'était pas une bataille pour le cœur des okay. athlètes. The athletes were listening to the worship of God by the Fiji team in the Olympic Village every morning. Les athlètes écoutaient l'adoration à Dieu chantée par l'équipe des îles Fiji chaque matin okay. dans le village olympique. There were no Satanists in the Olympic Village. Okay. All right. C'est here we go. Réveiller, certainement. Sorry about that. My ears are a little sensitive in my old age. Avec l'âge, les oreilles deviennent tellement sensibles. Okay. In 1 Peter, we read this verse. And dans I want Pierre, you to hear this clearly. Nous avons lu un passage très important. Je veux que vous okay. le that Jesus Christ suffered for us. Jésus. Calme-toi, Catherine. Jesus Christ suffered for us. Jésus-Christ a souffert pour nous. And we should arm ourselves with the same attitude. Et nous devons nous armer de la même attitude, la même pensée. Now listen to this. Écoutez bien. Because parce que he who has suffered celui qui a souffert has finished with sin. En a fini avec le péché. Wow. C'est pas mal, really? Ça. Okay, you guys are like sleeping this morning. Je crois que okay. vous dormez. When I read that verse, quand j'ai lu ce verset, mes I amis, literally shouted out loud. J'ai crié haut et fort. Wow. Where have you been hiding for 20 mais years? Où est-ce que ce verset a été caché pendant 10 ans de ma vie? I guarantee you. Je vous assure.
This verse was not in my Bible. Ce verset n'était pas dans la Bible avant. Okay, this verse was not in my Bible. Je l'ai trouvé pour la première fois. Il n'était pas là. I got saved in 1974, as I mentioned. Comme j'ai dit, j'étais converti en 1974. And that 50 years ago. Il y a 50 ans de cela. And whoa. Only my son-in-law can do that, okay? C'est seulement mon genre qui a le droit de faire ça. Merci, David. Okay. Wow, I feel like I'm alive. Whoa! Hey! Yes. Tout d'un coup, ma voix est vivante. Okay. Tell the person next to you, wake up. Dites à votre voisine, réveille-toi! Tell the person next to you. Dis à votre voisin. Pastor Robert's going to talk about suffering. Le pasteur Robert va parler de la souffrance. Okay, what did Peter write? Qu'est-ce que Pierre a bien écrit dans sa lettre? Look in your Bible. Regardez bien avec moi. I don't want you to think I'm making this up. Je n'invente rien. Tout est noir sur blanc. Okay, he. Do we have it on the screen? On peut le mettre sur l'écran. Quelqu'un? He who has suffered in the flesh, celui qui a souffert dans la chair, has finished with sin. Fini avec le péché. Wow. Oh. Now, if I asked you, si je vous pose la question, how many of you sinned yesterday? Qui sont ceux qui ont péché hier? And maybe some of you will raise your hands. Certaines personnes vont quand même lever la main. Those that don't raise their hand, et ceux qui ne lèvent pas la main, they just sinned of lying. Viennent de commettre le péché de mensonge, de mentir. So what does that mean? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Does that mean that we've not yet suffered in the flesh? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas encore souffert dans la chair? You know, guys, look, come on. Look at me for just a second. Regardez-moi right? un instant. Lui. Looking at me may make you suffer. I don't know. Peut-être ça vous fait souffrir, okay. J'en sais pas. Yeah, we've become what I call the Doliprane generation. Nous sommes ce que j'appelle la génération Doliprane. You know what the Doliprane generation vous is, savez right? De quoi il s'agit. Now, if you're a foreigner, si vous êtes de l'étranger, Doliprane is a painkiller. It's an aspirin. Okay, that. C'est voilà, un médicament pour la douleur. And you can have it doesn't matter what illness you have. Peu importe la maladie. You know, they're going to give you Doliprane. Peu importe la douleur, le médecin va prescrire Doliprane. There may be a whole long list of 20 medications you've got to take. Peut-être il y a toute une liste sur votre ordonnance de 20 médicaments but différents. I guarantee you, mais je vous assure, somewhere in that list is Doliprane. Quelque part dans cette liste se or trouve something else, Doliprane. Something else to help kill the pain. Pour faire quoi? Okay. Arrêter la douleur. I remember many years ago. Je me rappelle de plusieurs. I was walking in Paris and I saw this billboard. Je voyais une affiche à Paris. And it says we have a right not to suffer. Et le titre c'était nous avons le droit de ne pas souffrir. Yeah, ask the generation that lived in France during World War I. Posez la question à la génération qui vivait en France pendant la Première Guerre mondiale. And they rebuilt this nation after that war. C'est cette génération qui a reconstruit cette nation après la guerre. Shoot, most of you have grandparents. La plupart d'entre vous, still alive. Vous avez encore des grands-parents en vie. That rebuilt France after World War II. Qui ont construit la France, reconstruit la France après la Deuxième Guerre mondiale. My father, mon père, he didn't actually see combat, but he came into the Navy right at the end of World War II. Est entré dans l'armée, la marine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ask him if they never saw pain and suffering. Pose-lui si la question s'il a vu la souffrance. I think somebody told me that we're the generation that's gone the longest without war. Quelqu'un m'a dit dernièrement que nous sommes la génération qui a vu
le plus de temps passé sans vivre une guerre. And it's crazy that we grow up thinking that just because I'm alive, de penser que simplement parce que je suis en vie, I should not suffer pain je dois or pas suffering. Souffrir, je ne dois pas subir la douleur. I was reading this as I was meditating on this verse this je week. Je méditais ce verset. I was just looking up because when I was doing my studies in psychology, we looked at the trauma of being born. Je me rappelais de mes études dans la psychologie où on a appris sur beaucoup de choses sur le traumatisme de la naissance. And do you know, ladies, you know this. Ça, mesdames, vous le savez. All right, giving birth. Accoucher. Is one of the most painful experiences for a woman. Des expériences les plus douloureuses pour une femme. I mean, I remember very clearly our two daughters being born. Je me rappelle très bien de l'accouchement de nos deux filles. I was in terrible suffering. Je souffrais terriblement, moi. Eh oui, c'est ça. Of course, now you don't have to suffer. You just get a... Péridural. Péridural. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Painkiller. Pourquoi faire quoi? Ne pas laisser souffrir. You know, ladies, if you go to the hospital to give birth now, mesdames, si vous êtes dans la à la maternité pour accoucher, the nurse is just going to walk in with a needle. L'infirmière arrive avec le seringue. And you have to fight to get her to not give you the epidural. Si on ne veut pas la péridurale, il faut s'y opposer. Il faut faire résistance. It is just automatic. Sinon, c'est automatique. We don't want you to feel pain. Nous ne voulons pas que vous ressentiez la douleur. We don't want you to suffer. Nous ne voulons pas que vous souffriez. How in the world has humanity survived all of these tens of thousands of years without painkillers? Comment ça se fait que l'humanité a survécu ces dizaines de milliers d'années sans péridurale? Franchement. Hello. Vous êtes là? You see, we've become allergic to suffering. Nous sommes allergiques à la souffrance. See, we grow up in a world. Nous sommes élevés dans un monde where children are protected from all pain. Où les enfants sont même protégés de toute la douleur. I mean, when we were kids. Quand j'étais enfant. You know, we would play, you know, sword fighting with sticks. On jouait la bataille aux épées avec des vrais bâtonnets. And you know, we didn't like pretend to touch somebody. Et on n'a pas fait semblant de toucher l'autre. This is like, non, mais c'était vraiment violent, quoi. And everything was okay until there was blood. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un enfant commence à saigner, quoi. When you see blood. Quand on voit le sang, then you stop. On s'arrête. But until there's blood, mais avant de voir le sang, on continue. You can hit your friend as much as on you peut want. Taper son ami tant qu'on veut. We just believed. Nous avons cru. That suffering, pain when you're little, que la souffrance quand on était petit, would prepare you for life. Préparer pour la vie adulte, n'est-ce pas? Some of you remember that there wasn't too long ago in France, every boy had to serve in the military. Il n'y a pas si longtemps que ça. En France, vous vous rappelez, les hommes étaient obligés de faire un service militaire. And it was painful. Et oui, c'était douloureux. There was suffering. Il y avait une souffrance. But it caused them to find this cohesion in society. Mais ces hommes ont trouvé une certaine cohésion au sein de la société grâce à cela. And generally speaking, they would come out feeling like they're a man. En général, les hommes sortaient comme des vrais hommes, quoi. Let me ask you, ladies. Et mesdames, what do you think is one of the greatest problems in society today? Que pensez-vous est un des plus grands problèmes de la société d'aujourd'hui? It's hard to find a good man. C'est difficile à trouver un homme qui est bon, n'est-ce pas? Is there an amen from the women?
It's easy. It's easy to find boys. C'est facile de trouver des garçons. Man, it's hard to find men. Mais difficile de trouver des hommes. What does a boy need to become a man? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un garçon devienne un homme? À votre avis? Souffrance? Eh oui. We come to Christ. Nous venons à Christ. And it's even worse. Et c'est encore pire. Somehow we have come to believe. Quelque part, on a commencé à croire. That if God is truly loving. Que si Dieu est vraiment amour. If God is truly my father. Si Dieu est vraiment mon père. Then he will protect me from all pain and suffering. Il va me protéger de toute la souffrance et la douleur. And so if ever I do go through pain. Donc si jamais je passe par une souffrance. I immediately blame him. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui blâmer. Hey, le blâmer. This isn't part of the deal. C'est pas juste, Seigneur. Tu m'as pas dit que j'allais souffrir. I gave my heart to you. Je t'ai donné mon cœur. You're supposed to protect me now from suffering. C'est à toi maintenant de me protéger de la douleur. That's just kind of the deal. C'est comme ça, on a fait marcher. Right? Oui ou non? Now maybe we may not blame God. Ou peut-être nous ne blâmons pas Dieu. So we'll blame the church. Donc qu'est-ce qu'on fait? On blâme l'église. Or we'll blame the pastor. Ou le pasteur. He's not anointed enough. Oh, il a pas suffisamment d'onction. He doesn't pray enough. Il ne prie pas assez. He doesn't have enough revival. Il ne vit pas le réveil. It must be his fault. C'est sa faute si je that vis. I'm going through pain and suffering. Si je vis une douleur, c'est sa faute à lui. So what do we do? Qu'est-ce qu'on fait? We pack all of our emotional baggage. Nous faisons nos valises émotionnelles. We go somewhere else where it's more exciting. Et nous partons pour aller autre part. And we think there God will protect me. Parce qu'on pense que là où c'est plus excitant, plus passionnant, and Dieu va nous protéger. And I won't go through any pain and suffering. Et là-bas, on va pas vivre la souffrance. And you et know, voilà. Sometimes for a season. Et vous savez quoi? It's all good. Pendant une saison, parfois, but tout va bien, what? Tout God bien. God knows who you are. Mais Dieu sait qui vous êtes. Sooner or later, tôt ou tard, you will come to realize vous allez réaliser pour that vous-même pain and suffering is part of life. Que la douleur et la souffrance font partie de la vie. Paul actually said in the book of Acts, chapter 14, Paul avait dit dans le livre des Actes, chapitre 14, that it is through great tribulations that we enter into the kingdom. Que c'est par les grandes tribulations que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Oh, ah. Great tribulations? Tu dis tribulation? How many of you want more tribulation qui sont in ceux your qui veulent plus de tribulation? Levez la main. Ouais. Okay. Father, send more tribulation. Okay, there's like four people that said amen. Quatre right. Personnes ont quand même levé all right, la well, main. You're getting there, okay? You're getting vous there. Vous approchez de la vérité. Finalement. So we have an inherent problem in our soul. Donc, le problème existe dans notre âme. We don't want to suffer pain. Nous ne voulons pas souffrir. C'est tout. True? C'est vrai, n'est-ce pas? Mehdi, can I ask you a question? Mehdi, est-ce que je peux te poser une question? Okay, because I know for a fact je connais, je that sais there were countless hours in prayer que tu as investi des heures et des heures in intercession. Dans la prière, dans l'intercession. There were seasons of fasting. Il y avait des saisons de jeûne pour cette conférence for just hier. One day of ministry. Pour un jour de ministère, yeah. Après tout. So yesterday, when I was here, hier, quand j'ai assisté, I heard some great preaching j'ai entendu and teaching. Des prédications et des enseignements anointed merveilleux. Of the Lord. Praise God. Gloire à Dieu. More than likely, most of the people coming probablement, la plupart des gens qui venaient did not invest in the prayer and the fasting. Qui sont venus ne se sont pas investis autant dans la prière et le jeûne. But they ate from the table. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé de la table qui a été préparée. Yeah. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. It's true with everything, beloved. Mais c'est vrai pour tout. Do you have any idea the hours that I spent preparing the message? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures que je passe pour préparer un message, par exemple? The trials and tribulations that came into my life to prove that I'm living this before I preach it. Et les épreuves que j'ai vécues sont la preuve que j'ai
expérimenter la chose avant de prêcher le message aussi. Any idea the hours that the worship team goes through in practice, rehearsals? Est-ce que vous avez le moindre idée du nombre d'heures que passent les équipes de louanges? You know, the emphasis among the worship leaders of holy living. Et l'emphase sur cette équipe de vivre une vie consacrée. And if you're et not pure. Living a consecrated life to Jesus, you don't go on the stage. Et écoutez, si vous ne vivez pas une vie consacrée à Jésus, vous ne montrez jamais sur l'estrade. We could have a bigger group. C'est comme ça, non? We could have a bigger group. Avoir une équipe plus grande, n'est-ce pas? But we have higher standards. Mais nous avons mis la barre très haute. Why? Exprès. Pourquoi? Because the worship team's not here for you. Parce que l'équipe d'adoration n'est pas là pour vous. They're here for him. Pour lui, plutôt. Amen. And that requires preparation. Et ceci exige une préparation. We have to overcome this aversion to pain and suffering. Nous devons surmonter ce mépris, je dirais. De la douleur, de la souffrance. Jesus said in his prayer, his model prayer to us. Jésus a dit dans sa prière modèle pour nous that we can pray, do not lead us into evil, or deliver us from evil. Pour citer le Notre Père, il a dit délivre-nous du mal. But pain and suffering aren't the same thing as evil. Mais la douleur et la souffrance n'est pas la même chose que le mal. Okay. They're two different things. Ce sont deux choses différentes. If you watched any of the competitions during the Olympics, si vous avez regardé quelques épreuves athlétiques pendant les JO, or maybe you yourself are an athlete, des événements de sport, peut-être vous êtes vous-même sportif. Do you think those athletes go through rigorous training? Pensez-vous que les athlètes passent un moment d'entraînement assez rigoureux? Oui ou non? That maybe in their training they experience pain. Est-il possible que dans leur entraînement ils subissent des douleurs? Okay, when I was much, much younger. Quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Okay, my sport was swimming. Mon sport était la natation. And I swam at a pretty high level. Et je nageais à un certain niveau. And when I was about 20 years old. Quand j'avais environ 20 ans, I had big aspirations in swimming. J'aspirais à faire des grandes okay. choses avec ma natation. And the thing that stopped it was the revival that hit our university campus. Mais la chose qui m'a arrêté, c'était justement ce réveil sur mon campus universitaire. And I decided to give myself to the work of the Lord. Et j'ai décidé à ce moment-là à me consacrer à l'œuvre du Seigneur. Swimming. Au lieu de poursuivre la natation. But it was a common knowledge among us. During our workouts. Ça se comprenait entre nous pendant notre entraînement. That if you didn't throw up at least twice. Si on ne vomissait pas au moins deux fois. During the workout. Pendant l'entraînement. You didn't work hard enough. On n'a pas bien travaillé. That was just common knowledge. Pour vous dire, mais tout le monde vivait ça. So before you got into the pool for your 2.5 to 3 hour workout. Avant d'entrer dans la piscine pour un entraînement qui durait entre 2h30, 3h. In your mind, you're already preparing yourself. Il fallait déjà préparer la mentalité. Okay, Robert. D'accord, Robert, écoute. Here we go. On y va. Today, we're going to throw up at least 3 times. Aujourd'hui, on va vomir au moins 3 fois. Come on. Allez, vas-y. You know, don't be a boy. Ne sois pas un garçon. You know, don't be a wimp. Ne sois pas faible. Okay, be a man. Sois un homme. Men throw up. Les hommes vomissent s'ils travaillent bien. Hallelujah. Okay, I'm not hearing a single amen in the room, okay? J'entends pas beaucoup d'amen. You're like, I don't know where this message is going, but I don't like it, you know? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire le pasteur, mais j'aime pas son message jusque-là. So... Even at my advanced age. Mais je peux vous dire même à l'âge okay. avancé. So when I go to the gym in the morning. Je vais dans la salle de sport le matin. And I hit the gym 4 to 5 times a week. 4-5 fois par semaine. Okay.
I can't push myself to throw up yet. Je ne peux pas encore arriver au point de vomir. But I do try to give myself a heart attack. J'essaie de pousser mon cœur jusqu'à la limite maximale, crise cardiaque. Until I can, you know, still I start, my head is going like des vertiges. And, you know, and I try to push myself je as me hard pousse, as I can. Justement. Okay, you say, well, that's kind of local. C'est un peu fou, ça. Okay. Vous dites. And I was talking with Jean-Pierre, you know, Pastor Jean-Pierre had some issues with his heart. Donc, j'ai échangé avec le pasteur Jean-Pierre. So I was telling him, like, how fast I can get et my heart going. Je lui ai raconté un peu mon système et la vitesse. He was like, are you crazy? You can't do that. Et il me dit, mais t'es fou, said, tu well, peux pas faire ça à ton yeah, âge. I do. Arrête, every day I do non, that. Non, c'est pas possible. Oui, si, si, tous les jours. Now, I've actually had trainers tell me this is not really good for your body. Et j'ai même entendu des entraîneurs dire que c'est pas top pour le corps de faire and I said, ainsi. I know that. I know it's not the best thing for my body. Et je dis, je le sais, c'est pas la meilleure chose pour le corps humain. It's the best thing for my mind. Mais c'est la meilleure chose pour ma mentalité. Because there are certain things in this life I don't want to do. Parce qu'il y a certaines choses dans cette vie que je ne veux surtout pas faire. I don't like to do them. Je n'aime pas les faire. But I must do them. Mais je dois les faire. For je the glory suis of God. Obligé de les faire pour la gloire de so Dieu. So I have found j'ai trouvé donc that if I fight myself every morning, que chaque matin, je m'oppose à moi-même, je me fais bagarrer contre moi-même. If by my own will, I make my body suffer, si par ma propre volonté, je fais souffrir mon corps, it toughens my mind. Cela rend ma mentalité plus forte. That gives me the power to press through when I'm suffering. Et cela me donne la capacité de persévérer si je souffre. Et voilà. So when Catherine and I got dengue fever in Martinique, quand nous avons chopé la dengue en Martinique au mois de juin, we didn't cancel anything. Nous n'avons rien annulé. Nous avons persévéré. We came, we did laundry in Paris, we went to Finland. On est revenu de Martinique une nuit à Paris pour faire le linge. On est parti le lendemain en Finlande. People said, are you crazy? You loco? Et des gens disaient, mais vous êtes fous. No, we're on mission. Non, non. Dieu nous a confié une mission. On ne va pas abandonner la mission. In about 23, 25 years, God will let me have some rest. Dans environ 25 ans, Dieu va permettre à ce que je me repose. Okay. But from now to then, mais d'ici là, we have a mission. On a une mission, mes amis. We have a mission. Nous avons tous une mission. What's yours? Quelle est votre mission? Hmm? Do you think those athletes suffered? Est-ce que vous pensez que ces athlètes que vous avez vus à la télé ont souffert? When soldiers go to war to protect our freedoms. Et quand les soldats vont à la guerre pour protéger nos libertés, do you think they suffer? Pensez-vous qu'ils souffrent? When you're being attacked by a burglar and a policeman comes to quand vous protect êtes you. Cambriolé et le policier arrive pour vous protéger? Or when there's a fire in your apartment and the firemen come and put their lives at risk. Ou quand vous avez un incendie dans votre appartement et le pompier met à risque sa vie pour don't you think they suffer? Éteindre? Ne pensez-vous pas sure que ces do. Personnes souffrent? Bien sûr que oui. Peter said this, and I'm going to close with this. Pierre a dit ceci. He said, arm yourself with the same attitude that was in Christ. Gardez ou armez-vous de la même attitude qu'avait le Christ lui-même. Now, suffering is a major theme in Peter's letter. Et vous allez voir que la souffrance est un thème récurrent dans la lettre de Pierre. He talks about it at least five times il in five chapters. Il en parle au moins cinq fois dans cinq chapitres. But every time he talks about the suffering of Christ, mais à chaque fois qu'il parle de la souffrance de Christ, it's always the suffering on the cross. Il parle toujours de la souffrance sur la croix, à la croix. It's always. Toujours. La souffrance a eu lieu à la croix. Now, when you come with us to Israel, maintenant, quand vous venez avec nous en Israël, we'll take you to a village. On va vous faire voir un village. That is a reconstituted village of Nazareth. Qui est une reconstitution du village de Nazareth à l'époque de la Bible. And you can really see what it would have been like to live in that village 2000 years ago. On peut donc visiter ce lieu et imaginer à quoi ressemblait la vie il y a 2000 ans. It was a life of suffering. Et là, on voit à quel point c'est une vie de souffrance.
Add to that Roman oppression. Rajoutez à cela l'oppression de l'Empire romain. Man, life was hard. Non, mais la vie était dure à l'époque. Listen, most of us would never survive that life. La plupart d'entre nous ne survivraient pas. We were too soft. Parce qu'on est trop okay. Molle. And but the suffering that Peter talks about mais la souffrance dont parle Pierre is when Jesus suffered on the cross. C'est quand Jésus a souffert à la croix. And it is this attitude that Peter says, arm yourselves with. Et c'est cette attitude-là que Pierre parle. Armez-vous de cette attitude. So what was the attitude of Christ on the cross? Quelle était donc l'attitude de Jésus quand il était cloué à la croix? Was he suffering for himself? Est-ce qu'il souffrait pour lui-même? Like I do. I suffer in the gym, but it's comme for me. Moi, je fais dans la salle de sport. Moi, je le fais okay? pour moi-même. I'm not suffering in the gym for you. C'est pas pour vous, en tout cas. All right, that's for me. C'est juste pour moi. Okay. But that's not what the suffering is that Peter talks mais about. Mais c'est pas de ça que Pierre parle. It was the suffering for others. C'était la souffrance pour les autres que Jésus a subi. Hey buddy, how you doing? Come here. Oh, you're my Brandon, creature. Le prédicateur qui va voyager avec moi un jour. Good job. Good job, buddy. Il fait comme chez lui. Il est chez lui. Okay, so look at me. They're okay. More beautiful than I am. Distraction terminée. C'est vrai qu'ils sont plus beaux que nous. Mais, regardez-moi pour la fin. C'est la fin du message là. Écoutez bien. All right, Jesus suffered for others. Jésus a souffert pour les autres. In other words, his suffering had a purpose. D'autres termes, sa souffrance avait un but. His pain had a purpose. Sa douleur avait un objectif. See, if a woman knows that she's giving birth to life, she's bringing forth life. Si une femme qui accouche sait qu'elle porte la vie. True. She has a purpose in the pain. Elle a un objectif de cette douleur, dans cette douleur. Okay. N'est-ce pas? When we had the babies, the children for a few days this week. Nous avons gardé les petits-enfants quelques jours cette semaine. And when they would wake up at 3 o'clock in the morning crying. Et parfois ça réveillait à 3 heures du matin. Of course, they weren't crying for me; they were crying for her. Mais ils disaient pas granddad, ils disaient mima. You know, but she endured the pain of getting up in the middle of the night. C'est elle qui a subi la douleur de se réveiller au milieu de la nuit. Mais for them. Pour eux. For their good. Pour leur bien. See, when there's purpose in your pain. Ça veut dire que quand il y a un objectif pour votre douleur. You can endure it. Vous pourrez l'endurer. Not only can you endure the pain, et non seulement l'endurer, but that pain will actually help you grow. Mais cette douleur va vous aider à grandir. And that pain will help you become somebody. Cette douleur vous aidera à devenir quelqu'un that you can respect. Que vous pourrez respecter vous-même. One last thought, then we'll pray. Une dernière pensée, puis on va prier. In Hebrews chapter 12, en Hébreux chapitre 12, verse 2, we verset read this 2, nous l'avons lu au début du message. For the joy set before him, en raison de la joie Jesus endured devant the cross, lui, Jésus a pu supporter la croix the shame. Et a méprisé l'ignominie. But then it says this, et ensuite il est dit, and he sat down at the right hand of God. Il a fini par s'asseoir à la droite du Père. Et voilà. Do you know what the true recompense for Jesus was? Savez-vous ce qu'était la vraie récompense pour Jésus suite à sa souffrance? It was not your salvation. Ce n'était pas votre salut finalement. It was the glory of the Father. C'était la gloire réservée pour lui à la droite du Père. If it was for your salvation, it would have said so in that text. Si c'était pour le salut de l'humanité, la Bible l'aurait dit. The true joy. La vraie joie for Jesus, pour Jésus en tout cas was simply knowing he was doing the will of the Father. Était simplement de savoir qu'il faisait la volonté du Père. And that through his pain and suffering, et qu'à travers sa souffrance et sa the douleur, Father would receive glory. Le Père recevait la gloire. Can I tell you it's noble to suffer for others? C'est quelque chose de noble. De souffrir pour les autres. But tout when à you, fait. When you know that you're suffering,
Mais si vous savez, quand vous savez que will vous souffrez, bring about the glory of the Father, quand vous savez que votre souffrance produira la gloire du Père, that is only when you will find the joy in suffering. C'est uniquement dans cette situation que vous trouverez la vraie joie dans la souffrance. And this is why Peter says, et c'est pour cela que Pierre l'a bien dit. He who has suffered in the flesh, celui qui a souffert dans la chair, has ceased from sin. En a fini du péché. Because you're truly living for the glory of the Father. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on vit véritablement pour la gloire Amen. Du Père. And not for yourself. Et non pour soi-même. Amen. Would you stand to your feet, please? Je vous invite à vous lever. I apologize. I went a little bit over today. Je vous demande pardon. J'ai dépassé l'heure prévue. We lift our hands before the Father. Élevons today. Nos mains devant le Père. Hallelujah. Le Père d'amour. Listen, maybe you're suffering right now, something in your life. Peut-être vous souffrez actuellement. Maybe you're suffering from either sickness. Peut-être c'est une maladie. Maybe you're suffering financially. Ou par les finances. Maybe you're suffering relationally. Ou dans une relation. You've suffered rejection. Vous avez souffert, subi le rejet. Or oppression. Ou l'oppression. Offense. Ou l'offense. But God is here today. Dieu. Pardon. Hallelujah. Dieu est là aujourd'hui. Amen. The Holy Spirit is present amongst us. Et le Saint-Esprit est présent parmi nous. Hallelujah. And I want to challenge you today. J'aimerais vous défier aujourd'hui. You may not be able to change your suffering. Peut-être vous n'êtes pas en mesure de changer votre souffrance. But you can find the reason in it. Mais vous pourrez trouver l'objectif de cette souffrance. And turn it around for the glory of God. Le but de cette souffrance est tout changer pour la gloire du Père. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. Can we lift up the music a little bit, guys, please? Thank you. Thank you, Mike. Hallelujah. And so, Father, today we just come before you. Père, aujourd'hui nous sommes devant toi. And we just place at the foot of the cross. Et nous plaçons au pied de la croix. The pain that we're feeling, the suffering we're going through. La douleur que nous pourrons ressentir, la souffrance par laquelle nous passons. And in the mighty name of Jesus. Et au nom puissant de Jésus. We make that decision today. Nous prenons la décision aujourd'hui. To go through this for the glory of de God. Passer par cette souffrance pour la gloire du Père. We will continue to pray for healing. Et nous allons continuer à prier pour la guérison. We'll pray for deliverance. Continuer à prier pour la délivrance. Hallelujah. Hallelujah. We will pray against the pain. We will pray against the suffering. Nous prierons contre la douleur et la souffrance. But as long as you decide that we must bear it. Mais tant que tu décides que nous devons le porter. We will go through it for your glory, O God. Nous passerons par cette souffrance pour ta gloire. Trusting. En te faisant confiance. That through this time of suffering. Et en croyant qu'à travers cette souffrance, draw us closer to you, tu nous attireras près, plus près de toi, closer to your purposes, plus près de tes buts, tes objectifs pour so nos that vies. Sin finally is finished in our lives. Afin qu'on en finisse du péché.